La sortie du jour. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Maxime. On voit avec vous ce qui va faire l'événement en cette année 2015. Et là, ce sera l'une des sensations de la rentrée 2015. Monaco, le spectacle par le cirque Éloise. C'est un événement européen. Et ça s'annonce grandiose, car le cirque Éloise va s'entourer des créateurs du cirque du soleil. L'alliance des deux, ça va être magnifique. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah, c'était leur spectacle, leur précédent spectacle. Oui, c'était un des tout premiers spectacles du cirque du soleil Allegria. Eh bien, l'auteur René Dupéret composera la musique de Monaco le spectacle. C'est pour dire qu'ils ont été chercher les plus grands créateurs du Québec, comme la chorégraphe qui a travaillé avec Madonna ou Céline Dion. On écoute Alain Dierks, le producteur. On a essayé de trouver des créateurs qui étaient sortis de l'espace cirque, qui ont également été dans du pop, rock, de la variété, pour vraiment créer un grand spectacle populaire. On comprend que ce sera plus que du cirque, mais ça va ressembler à quoi? Écoutez, il y a un côté comédie musicale. 35 artistes sur scène, danseurs, chanteurs, musiciens, acrobates, voltigeurs. Il y aura des numéros spectaculaires, deux exclus mondiales, notamment une roue de la mort. Mais il y aura aussi une vraie histoire, en effet, le tout planté dans le décor de la principauté. Monaco, évidemment, on va aller chercher les valeurs de la principauté avec l'environnement, avec la Formule 1, l'opéra, la danse. Mais on va créer une véritable histoire qui est le destin d'un jeune homme qui va rencontrer sa bien-aimée à Monaco et qui, par sa volonté, va pouvoir atteindre ses rêves. Voilà, le spectateur sera immergé dans l'ambiance Monaco. Il sera accueilli par des carabiniers. Il aura l'impression d'être dans une salle de bal avec des lustres. C'est toute la beauté, l'inventivité du cirque Éloise et du cirque du soleil qui seront mis au service de ce spectacle. Monaco, le spectacle par le cirque Éloise, un événement européen. La première mondiale, ce sera le 1er octobre 2015. Cette année, donc, au Zénith de Paris. Ce sera pendant un mois au Zénith avant une tournée partout en France. Merci Diane Chenouda.